savoir, attendez-vous de moi. Samedi à 18h30, dans ma chambre à Bonamoussa, dit je sentais du riz. Avec un spaghetti pour me procurer de l'énergie. Afin de bûcher toute la nuit à l'amphi. En cognant ma porte, puis je demande c'est qui. Je m'en vais guetter, c'est une fille sexy. Elle est tellement sexy, elle me dit ceci. Y a-t-il pas de chambre à louer dans cette cité-ci? Non, vous pouvez en trouver à la mini-cité Bakassi. Si vous pouvez patienter 5 minutes et demie, que mon riz soit cuit, moi je vous y conduis. Afin il est entré, le ciel s'est obscurci. Il s'est mis à tomber une pluie infinie. Dans ma chambre à l'époque, je n'avais pas de parapluie. Les voisins n'étaient pas là, ils étaient tous à l'amphi. Devinez la suite, ce qui a suivi. Non, ninja, la suite de ton histoire. Que voulez-vous savoir, attendez-vous de moi. La suite de ton histoire. Que voulez-vous savoir, attendez-vous de moi. La suite de ton histoire. Que voulez-vous savoir, attendez-vous de moi. La suite de ton histoire. Vous voulez savoir si je l'ai sauté. Pour y arriver, il fallait la draguer. Seulement de ce côté, je n'étais pas posé. Durant toutes mes nuits à l'amphi passé. Durant toutes mes nuits passées à l'amphi. À retenir les formules de Kapoutinsky. Le critère de Cauchy, la méthode de Kolesky. Dostogradsky, la suite des Fibonacci. Aucune de ces théories ne m'apprenait à draguer. Ne soyez pas déçus, j'ai quand même essayé. J'ai quand même essayé, je me suis débrouillé. Et tenez-vous tranquille, je vais vous raconter. Oui, ninja. La suite de ton histoire. Que voulez-vous savoir, attendez-vous de moi. La suite de ton histoire. Que voulez-vous savoir, attendez-vous de moi. La suite de ton histoire. Que voulez-vous savoir, attendez-vous de moi. La suite de ton histoire. J'ai quand même essayé, je vais vous raconter. Dans ma chambre à l'époque, j'avais un tableau que j'ai effacé et je me suis donné un système d'équations un peu compliqué. 18 équations, 18 inconnues que j'ai résolu avec Kolesky. Ensuite, je l'ai épaté avec le critère de Cauchy que j'ai élégamment utilisé pour démontrer une série un peu autrement que je m'étais fixé. Un peu autrement, c'est-à-dire corsé, que cette série corsée pouvait converger. Ensuite, je me suis mis à calculer une énergie, l'énergie réticulaire d'une molécule de calcaire. Cette fois, je l'ai épaté avec un Kapoutinsky. Quand j'ai voulu l'essouffler avec Ostrogradsky, elle m'a dit chérie, t'es un vrai génie. Elle m'a embrassé, je suis resté bouche bleue. Elle s'est déshabillée, je suis resté pour te planter. J'étais scandalisé, j'étais dépassé. Elle m'a excité, je ne suis pas castré. Mon bâton de commandement s'est mis au garde à vous. Il faut que je vous l'avoue, elle avait un beau minon. Il tournait parfaitement son joli minon. Disent-ils à vous rendre de bout en bout fou. Je pouvais plus résister, alors j'ai voulu foncer. Mais je me suis souvenu qu'il y a des MST. Qu'il y a des MST, donc il faut se protéger. Mais dans ma cam à l'époque, je n'avais pas de cap. Tu n'avais pas des condoms, tu n'avais pas des condoms. Tu n'avais pas des condoms, tu n'avais pas des condoms. Je n'avais pas de condoms, je n'avais pas de présents. Je n'avais pas de capote, je n'avais pas de chaussettes. Je n'étais pas habitué, vous allez m'excuser. J'avais peur d'attraper la pire des MST. À 4h30, la pluie n'était pas finie. Et les voisins n'étaient pas là, étaient toujours à l'amphi. Quand le matin est arrivé, la pluie s'est arrêtée. Et je me suis levé, je suis allé la rythmer. Vous allez m'excuser de ne l'avoir pas sauté. J'avais peur d'attraper la pire des MST. Non.